J'espère que vous n'avez pas fait du bluff. J'espère que c'est aussi bon que vos réactions. Celui-là. Alors avant de vous donner mon avis sur la tablette de chocolat de la maison Marquise qu'on voit partout depuis des mois, je suis venu dans cette boulangerie faire cette vidéo avant tout parce que j'ai vu qu'ils faisaient des gâteaux pour la Palestine. C'est-à-dire l'entièreté des bénéfices de ces gâteaux vont totalement pour la Palestine. Donc si tu veux te faire plaisir, si tu as des invités, etc., que tu comptes acheter un gâteau, n'hésite pas à passer ici. Au moins, tu te feras plaisir et en plus de cela, tu seras la cause que des Palestiniens auront aussi un peu de joie parce qu'ils n'ont personne à part nous. Donc voilà, la maison Marquise. Toute la journée, hein. Mais là c'est le soir, je vous ai dit, il y a vraiment le pâtissier qui toute la journée les renouvelle et maintenant place à la dégustation du chocolat. Je vous donne l'avis vraiment sérieux. Bon, on va l'ouvrir. Pas bien, hein. C'est des mois et des mois, tous les jours, je la vois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Bon, j'ai vu qu'ils font des gâteaux Palestine. Donc, bismillah. On fait une petite vidéo pour leur commerce. Hop! J'espère que vous n'avez pas fait du bluff. J'espère que c'est aussi bon que vos réactions. Bismillah. Franchement, c'est bon, mais vous en faites un peu beaucoup. Vous en faites un peu beaucoup quand même. Et pourtant, moi, je suis un pro-pistache, hein, mais vraiment pro-pistache de chez pro-pistache. Je voulais goûter aussi le croissant framboise pistache, mais il n'y en avait plus. Du coup, croissant Bueno, celui-là. Si t'aimes bien les Kinder Bueno, il est magnifique. Et je goûte le Paris-Brest, celui-là. Ah, il est à l'intérieur. Ça va, mais vous savez, hein, mon préféré Paris-Brest, c'est celui de la boulangerie des Grives. Je n'ai jamais goûté encore un meilleur, franchement. J'aime pas comparer, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Il est vraiment incroyable, l'autre. Si lui, pour vous, c'est incroyable, bah, la boulangerie des Grives, vous allez tomber par terre. Bref, n'oublions pas l'essentiel de la vidéo, ce sont les fraisiers avec le drapeau de la Palestine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer un bon moment avec votre famille et aussi rajouter du plaisir aux Palestiniens. Eh ben, venez prendre, inch'Allah, votre fraisier.